C'est le printemps dans le Khumbu, au nord-est du Népal. Cœur vivant de la chaîne himalayenne, le pays des glaces et des cimes et la terre des Sherpas. Ces hommes venus voilà plusieurs centaines d'années des lointaines provinces tibétaines, au-delà des sommets et des cols haut perchés. Namche Bazar est leur capitale. Tous les samedis, c'est marché, étagé sur trois niveaux à l'entrée du bourg. Hommes, femmes et enfants y déambulent à la rencontre des marchands qui ont amené leurs marchandises à dos de mulets ou d'hommes depuis les vallées voisines, le Tibet ou le bas-pays. Au-delà s'étend le pays des infinis. Monastère de Tamé, de Tangboche, sommet de plus de 6000 mètres, dont la fière silhouette de l'Amada blanc, le collier de la mer selon les Sherpas. Le pays des oiseaux sacrés. Alors que nous dépassons Gokyo et son lac, nous découvrons la noire pyramide de l'Everest des Britanniques, le Chomolungma des Tibétains, la déesse mère du monde, et ses vassaux, Nuptse, Lhotse, Pumori, Makalu, en toile de fond.